dit à Fabien ce matin que tu avais plein de pièces de monnaie dans les habits. Non. Tu vois, si je tire sur ta main, juste comme ça. Petite pièce. Tu l'as vu ce matin? Ce matin, c'est là, non? C'est arrivé, tu la vois? Les habits. Ouais. Ouais, moi aussi. Regarde, prise ici. Petite aussi, une deuxième. Ouais. Génial. Bon. Et puis toi, tu te penches au-dessus du saut, pas trop fort, non? Non, pas comme ça. Oh là 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 là. Un lapin. Et comme il est un petit peu fatigué, bien sûr, je le mets en position assise. Là, là. Non, c'est la patte, c'est la patte, c'est la patte, c'est la patte. Voilà. Ah, comme ça? Ah non, ça je peux pas parce que je connaîtrais le truc. Non, non, ça, je peux pas le faire, ça. Bien sûr que non. Hein? Ouais, bon, allez, j'y vais parce que vous êtes gentils aujourd'hui, comme ça tout le monde est content. Je t'explique, tu donnes juste un petit coup là-dessus. De dessous. Okay. Et maintenant, bien sûr, grâce à la baguette magique, de ce côté-ci, le lion a disparu, pour une raison très simple, bien sûr, qu'on le retrouve à l'intérieur de la cage, de ce côté-là. Merci, grand chef. Et un gros applaudissement pour lui aussi. Il vous faut pour faire ce tour, c'est bien sûr une bouteille, plus une seconde bouteille, mais surtout un tube vide et un deuxième tube vide, autrement on ne peut pas faire le... Waouh. Wow. Tu peux tout lâcher, mademoiselle, lâche tout. Super. Je vous ai montré la boîte tout à l'heure, c'est l'apesanteur vaincu pour vous cet après-midi. Je ne crois pas, ça marche. Avec tous vos applaudissements et votre accueil, merci à tous et bye bye. C'était super. C'était génial.